les choucrouloutes, ici Lupina pour l'épisode numéro 53 du Sam Bébé Challenge. Clémentine est énorme. Clémentine va exploser, regardez-moi ça. Ah, mais on s'en fout, toi. Je sais même pas ce qu'elle a dit, la pauvre. Clémentine va aller dormir. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix. Allez, hop. Tout le monde y dort. Bah dors, Bernard. Me dis pas qu'il y a le monstre du lit. Mais non, mais faites pas une sieste, dormez. Oh, il est chat devant comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, mes petites bibiches. N'hésitez pas à commenter le challenge, très important pour moi d'avoir vos retours, même si je fais mes épisodes en avance. J'aime quand même lire vos commentaires, est-ce que vous en pensez, si je me débrouille bien, si je me débrouille pas bien. J'aimerais vraiment que vous commentiez un petit peu plus mes vidéos, parce que elles sont là pour vous. Hein, s'il n'y a pas d'échange entre nous, c'est un petit peu dommage quand même. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer des papas. Donc je mettrai dans la description le hashtag sans papa Lupina. Je le mettrai sûrement aussi quelque part dans la vidéo. Mais n'hésitez surtout pas à m'en donner. Je les installerai et on ira les pécho. Je sais que vous aimez bien me faire des sims en plus, vu comment ça tourne dans les lives. Donc voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas que vous participiez un petit peu plus à ce challenge, ce serait cool. Mais je pense que je vais faire une annonce directement pour vous dire « Oui, faites-moi des papas, tout ça !» Voilà, je pense que je le ferai comme ça, tout le monde sera au courant. Alors, fais ça ma petite Clémentine. Et plus vite que ça. Oh, elle est trop mignonne. Elle devrait accoucher dans ce tépi, je sais pas quand, mais à un moment donné elle va accoucher. Voilà. Ah, ben ils sont tous levés, les gosses. Alors, du coup. Le Alexis. Tu vas prendre un morceau. Toi, tu vas venir ici. Allez ici. Allez ici. Comment sont vos besoins? Ça va. Hein. Ah, on est vendredi. Je croyais qu'on était déjà le week-end, moi. Bah du coup, hop. Je crois que Alexis a bugué, sinon il serait déjà là. Oh, ça m'agace, mais ça m'agace. Viens ici, tête de babouin. Oh, le pauvre. Il est pas végète, lui. Merde, tant pis, désolé. Oh. Bon bah attends, non, excuse-moi, non mais excuse-moi. Toi, arrête de manger, voilà, échanger. Mange le petit yaourt. Ah non, c'est des palourdes. Oh, bon bah attends. Mange ça de fruits du petit, voilà. Un gratin de taco, pour moi, c'est... Enfin, il n'y a pas de viande dedans, j'en sais rien. C'est peut-être comme les lasagnes. Bon, bah tant pis, hein, il va à l'école, écoute. Clémentine, fais la vaisselle et plus vite que ça. Alors, on va vendre les fruits. Voilà, donc. 15 000. Oh, 6 000. Bon, bah voilà, on est re-riches, les gars. Hein. Faites des murs. Les murs, c'est la vie. Et on va pouvoir payer facture, du coup. Ah non. On les a déjà payés? Oh bah, je me souvenais plus. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oui, par contre, les gosses, vous pouvez aller à l'école ou comment ça se passe, là? Mais maniez-vous! Attends, avant d'envoyer Clémentine à l'hôpital, je veux qu'ils aillent tous à l'école, là. C'est quoi, cette histoire? Allez, hop, plus vite! N'importe quoi, là! Je te jure, sale gosse. Mine-toi. Dépêche-toi.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais va pas laver ton bol, on s'en fout! Dépêche-toi, va à l'école! Oh, mais j'hallucine, mais quel sale gosse! Va laver ça, s'il te plaît, Clem. Bah oui, et tu m'étonnes que le directeur appelle. Dépêche! Mais il est où encore? Ah, c'est bon, il y est, enfin! Merci, trou de balle! Bon, du coup, on va pouvoir aller... Non, attendez. Vas-y, avec Elantia. Zut, je voulais sauvegarder. Bon, tant pis. Normalement, le bug des bébés a été résolu, donc je n'ai pas à m'inquiéter, mais dans le doute... Dans le doute reboot, quoi. Non, dans le doute, on sait jamais. La 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 la. La 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 la. Oui, il était chanté, hein, quand même. J'ai une de ses tronches, moi. Pouf. Ça ne s'arrange pas. Ah, j'ai un truc qui pique l'œil. Aïe. 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 Allez, vas-y, Clem. Oh, t'es grosse. Chanter en solo au karaoké. Ok, bah pourquoi pas. Oh, mais ce bidou. Le bidou qu'elle a. Trop mignon. Trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'espère que j'aurai une fille. Parce que... C'est encore un garçon. Oh, mais on a que des mecs. Et si elle meurt, on a même pas de matriarche là. Hein. Oh, oh. Bon, j'ai pas d'idée de comment l'appeler. Si, je sais comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler David. Voilà, c'est un youtubeur, donc il fait des constructions de ouf malade. Donc voilà, il y en a qu'un. C'est génial, ce gros bide pour un gosse. Encore le bide. Le temps que ça dégonfle, madame. Et le bébé, il est où? Il est où, mon bébé? Mon bébé! Il n'y a pas le bébé, mais what? What? Ok, c'est un bug, c'est génial. Bah, on va inviter le prochain papa. Qui sera... je vais ouvrir mon document pendant que ça charge. Qui sera... Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Récap, il est là. Qui sera... Poil au bras. Du coup, donc c'est David. Hop, je note. Qui sera Naoki Sasaki. Voilà, alors ce nom. Bon, au moins, on a eu des jumeaux à l'épisode précédent, donc ça, c'est cool. Là, donc je pense qu'on n'aura pas des jumeaux avant Peta ou Shinnok. On va donc appeler ce monsieur Sasaki. Naoki, voilà. Invité, viens mon petit. Il va arriver. Eh ben c'est parfait tout ça, voilà. Coucou. Alors est-ce qu'on peut embrasser? Voilà, comme ça l'autre va se barrer là. Joseph, casse-toi. Merci. Alors on va les faire crac-crac parce qu'il est grand temps qu'on fasse crac-crac. Ah vous ne voulez pas, bon ben discutez ici. Mais quoi, il peut pas y aller? Mais pourquoi il peut pas y aller? Mais viens! Bernard, merci! Ah, d'ailleurs, ils me l'ont mis où le petit? C'est bon, il est là. Alors, du coup... Amour! Qu'est-ce que j'ai mis? Discuter, ok, super. Amour, technique de dringue! Ouais, ouais. Embrasser. Enlacer. Faut peut-être que je monte un peu l'amical pour qu'on fasse crac-crac. Peut-être. Faudra m'expliquer pourquoi elle a fait un détour. Hein. Embrasser les mains. Certainement pas la clé de l'appartement. Alors, essayez de faire un bébé dans le bain à remous. Essayer de faire un bébé tout court. Donc là, ils vont dans le bain à remous. Hop. On l'ignore. Voilà, faites-le plusieurs fois. Allez-y, en plus ça dure 30 plombes. Voilà, faites-le trois fois. On le fera trois fois dans le plumard. Allez, on recommence. Hop, hop, hop.
Donc elle sort du bain pour lui demander, viens, on va dans le bain. Eh, mais il est taillé, ce monsieur, hein! Oh! Regarde, Seb, c'est un gars pour toi! Oh la vache! Les pectoraux qui se tapent! Oh mon dieu! Oh, c'est vilain. Qu'est-ce qu'il y a? Essayer de faire un bébé. Mais oui, mais plus vite. J'enfile. Ah bon, c'est cool. Ils sont revenus, les gosses. Allez faire vos devoirs. Commencer la réunion. Et faire ses devoirs ensemble. Go! Allez, encore un petit tour là. Non, pas crac-crac. Je m'en fous de crac-crac. Nous, on veut que copuler. Allez, zou! Allez. Voilà. Oh, my love! Du coup, ça m'embête. On n'a pas le certificat pour les jumeaux. Faudra que je cheat pour les avoir. C'est pas grave, hein. C'est juste histoire d'eux, hein, de décorer. C'est pas pour. Ça apporte rien, hein, donc je précise. Essayez de faire un bébé. Voilà. Allez, go. Voilà, c'est fini. C'est fini le lit. Et maintenant, on va. C'est fini le lit. C'est fini le bain à remous. Maintenant, on va dans le lit. Go. On sait jamais. Je me dis que peut-être si on le fait plein de fois. On sait pas, hein, peut-être. Allez, fais tes devoirs. Il me saoule. Allez, encore un dernier petit tour. Encore deux. Allez, au cas où. On sait jamais. Mais je me dis que peut-être si on le fait plusieurs fois, il y a plus de chance. C'est stupide, mais bon. Ça marche pas comme ça, la vie. Mais bon, c'est pas grave. On sait jamais. Allez, une dernière fois. Hop! Maintenant, on va vérifier que on a bien un polichinelle dans le tiroir. C'est bon, ils ont fini les gosses là. Alexis, quand t'auras fini, tu iras t'occuper de ton petit frère. Parce que là, nourrir au biberon, échanger la couche sale. Et ensuite, tu feras du travail supplémentaire. Les gosses. Oh là là, les gosses. Bah ensuite, vous irez tous danser. Ah merde, remplacer. C'est bon, on a de l'argent. Donc, allumer sur musique effrayante, on s'en fout. Et danser ensemble, voilà. Est-ce qu'elle est enceinte du coup? T'as pas fait le test, Clémentine, dépêche-toi. Et voilà! Un bébé, encore un. Ah, par contre, tu peux partir maintenant. Voilà. Casse-toi. Allez, au revoir. Félicitations. Merci. Prends une douche froide, Clémentine. Oh, c'est quoi tout ça? Vous avez lu? Possibilité de jumeaux. Parce qu'on a le trait du cou. Clémentine se sent en pleine forme. Ses chances d'avoir des jumeaux sont élevées. Non, non, on ne se réjouit pas. On verra dans deux épisodes. Oh, serait trop bien. Ce serait trop bien. Oh, bibou, tu tout bouillou. Tout bouillou, mon bibou. Oh, petit babouin. Allez hop, va t'occuper de ton petit. Voilà. Est-ce que ça va mieux, vous? Toi, tu fais toujours tes devoirs? Et les gosses, là-haut. Mais qu'est-ce qu'ils font Ils dansent pas? Mais venez danser! Où il est en colère? Bah écoute, c'est la vie, hein. Mais tu t'es occupé du petit? Oui, c'est bon. C'est juste que c'est un peu de tense. Du coup, on va arrêter la réunion de groupe là parce que c'est trop buggé ce truc. Et tu vas aller rejoindre tes petits frères. Oh, elle serait bien si on avait des filles par contre, hein.
Parce que là, ça pue du cul un peu. En plus, j'ai viré la dernière fille, c'était Keraline, je crois. Notre dernière fille. Attendez que je vérifie. Ouais, c'est ça. C'était Keraline. Donc, ça se trouve, faudrait que je la ramène. Oh non, mais elle va pas vieillir tout de suite, Clem. Elle en a combien là? Dans 16 jours. Dans 16 jours, elle devient adulte. Ça va, on a encore le temps. On a encore le temps. Mais oui, mais tu vas te détendre, tu vas danser un coup, puis c'est bon là. Hein. Oh! Ensuite, Clem t'ira faire un pissou. Voilà, vas-y tout de suite parce que bon, j'ai pas envie que tu te fasses encore dessus. On va nourrir le petit babouin, changer sa couche, et ensuite t'iras faire à manger pour tout le monde. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Non, mais c'est bon, on s'en fout de ça. Faudrait que je mette une porte, hein, ce serait plus rapide. Bon, tant pis. Allez, ma petite louloute. Jean-Phil devient un bon ami. Ben, c'est parfait. Hop. Alors, Jean-Phil, c'est pas du tout quelqu'un que je connais. C'est juste que j'avais pas d'idée et que c'est Ruru qui m'a donné le nom. Voilà. Si vous posez la question, je vous réponds. Du coup, plus de choix. C'est pas ça que je voulais faire. Faire une recette spéciale. Non, on va faire un bon petit repas pour ce petit monde. Macaroni, machin. Alors, un truc. Chili végétarien pour ton fils. Mais attends, c'est. Servir, ouais, donc c'est bon, il y en aura pour tout le monde normalement. Toi, mon petit lapin, tu vas enlever la nourriture gâtée. Et aller faire pipi. Ouh là là. Ouh le 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 le. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais on s'en fout, c'est bon, c'est fini ça. Va faire pipi. Allez, tout le monde va faire un pissou là. Évidemment, ils vont tous aller sur le même, non, c'est bon. Va sur le vert plutôt. Hop, voilà. Dépêchez-vous! Et ensuite, vous allez remonter. Il n'y a pas assez de salle de bain, je trouve, hein. Prendre une portion. Prendre une portion. Mais Jaco! Pourquoi ça a pas remonté? Je lui ai dit de faire pipi. Oh là là, l'autre qui répond, qui casse tout là. Oh, sale gosse. Toi, c'est bon? Oui, toi, c'est bon. Donc, tu vas pouvoir prendre une portion. Hop. Et du coup, ensuite, tu prendras une portion. Qui qu'en a pas pris, toi? Allez, petit loup. Voilà. Du végétarien pour le petit Robin. D'ailleurs, en vrai, Clémentine est végétarienne. Moi, du coup, tant pis. Hop, ça là. Ma petite Clem, comment tu vas? Oh, bah, ça va super, toi. Hein. Bah écoute, tu vas t'occuper. Attendez, on va bouger le petit bébé déjà. On va le mettre ici, le petit David. Le petit David. Du coup, tu vas le nourrir, tu vas changer sa couche et tu iras faire un gros dodo. Mais pourquoi vous mangez pas? Vous me saoulez! Pff. Allez, mine-toi! Toi, c'est bon, tu manges, toi aussi. Robin, on fait un chili végétarien pour toi et tu manges pas. Je te jure. Même en Sims, c'était chiant. Le pauvre, c'était gratuit. Putain. Est-ce que là, c'est bon, là? Tout le monde a mangé. Jaco. Jaco, tu vas aller prendre une douche et ensuite, tu iras te coucher. Faire une sieste. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ces Sims? Je suis désolée, hein, mais franchement. Donc il est content parce qu'il a son petit repas végète.
Toi, c'est bon, donc du coup, tu iras prendre une douche et ensuite tu iras te coucher, mon petit Édouard. Tant que les autres mangent, fassent leur douche, là, ça a duré 15 ans. Est-ce que tu peux prendre une douche dans la chambre de ta mère? Je suis pas sûre, hein. Waouh, Robineau a découvert une délicieuse alternative aux produits carnés. Mais oui, on sait. Ah bah l'autre qui fait la vaisselle, c'est parfait. Bon, est-ce que t'as bientôt fini? Voilà, c'est bon, merci, au revoir. Prendre une douche et dormir. Prends ta douche, trou de balle. Et puis de respect. Et lui, il se fout de moi en fait, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais je t'ai dit de prendre une douche ici, débile. Oh, sale gosse. Édouard, t'es un sale gosse. Je te jure. Et toi, au lit maintenant. C'est bon, t'es propre. Non, mais, oh, mais c'est pas possible. Oh, ça me saoule quand ils font ça. Vous pouvez pas savoir à quel point. Édouard. Édouard aussi s'est évanoui. C'est super. Ah bah l'autre aussi. Comme ça, c'est la fête au village, là. Va dormir. Oh. Bon. Eh ben, c'est pas trop tôt. Sur ce, je vous laisse. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et salut!